Cohen Sombrin, bonjour. Bonjour Sylvie. Alors la librairie Melun et moi-même sommes très heureux d'avoir ce temps d'échange avec vous au sujet de votre livre qui s'appelle « La diagonale de la joie », sorti aux éditions Albin Michel et dans lequel vous revenez sur cette grande aventure de vie qui démarre au moment où vous avez découvert le chamanisme et votre faculté à être chamane, jusqu'à, après un combat absolument incroyable, jusqu'à réussir aujourd'hui à faire étudier la transe chamanique dans les neurosciences. Alors c'est plus complexe que ça, mais est-ce que déjà cette définition vous convient ? Oui, oui, tout à fait. Sauf que maintenant, on ne parle plus de transe chamanique dans la mesure où on a découvert que c'était un potentiel cognitif. Donc on l'appelle transe cognitive auto-induite. Et simplement par respect pour le chamanisme aussi, dans la mesure où on ne la pratique pas dans le cadre d'un rituel et d'une culture, on peut pas dire que c'est une transe de culture chamanique. Donc ce serait aujourd'hui... C'est un potentiel cognitif qu'on a tous en nous, voilà. Donc ce serait quand même le point de départ, c'est la transe chamanique qui a permis petit à petit d'arriver à cette étude-là et à ces mots-là et à cette performance-là. C'est ça. C'est d'abord la découverte de l'état de transe en Mongolie lors d'une cérémonie chamanique. Les chamans entrent en transe au son d'un gros tambour là-bas. L'idée derrière cet état de transe, pour eux, c'est de communiquer avec ce qu'ils appellent le monde des esprits. Et ce monde des esprits est censé leur donner des informations qui vont être utiles à la communauté. Donc c'est vrai que pour moi, c'était assez surprenant au départ, parce que pour nous, occidentaux, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et donc, pour eux, le rapport à l'invisible était complètement différent. Ils en parlaient tout le temps. Ils parlaient tout le temps de ce monde des esprits, en disant qu'on ne prenait pas une seule décision sans avoir consulté d'abord ce monde des esprits. Voilà. Que j'en savais, sans comprendre la moindre chose de tout ça. Mais je l'ai accepté dans la mesure où je faisais un reportage pour la BBC, et puis il fallait bien que je dise des trucs. Alors, la première cérémonie à laquelle j'ai assisté a provoqué chez moi un état de transe qui a fait que je me suis transformée. J'ai eu l'impression de devenir un animal, un loup plus particulièrement, et de faire des gestes que je n'avais pas décidé. Et c'est ça qui a... permis de dire au chaman que... Ça a surtout permis au chaman d'engueuler Nara, l'amie qui m'accompagnait, et de lui demander pourquoi elle ne l'avait pas prévenu que j'étais chamane. Voilà, ça a commencé comme ça. Et bien sûr, il a vu à notre regard un peu étonné que... Donc Nara a expliqué. Donc en fait, pour eux, si j'avais pu vivre cet état de transe, c'est que j'avais été désignée. Alors là encore, il parle du monde des esprits. Et que les esprits m'avaient donné ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique. Et donc, j'étais chamane et que donc, je devais rester avec eux pour être formée à la transe. Voilà, donc ça a été mon premier contact avec la transe, qui était plutôt surprenant, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il n'y a pas de psychotrope, il n'y a rien, juste le son d'un tambour. Et je ne comprenais pas comment le son d'un tambour avait pu faire changer mon comportement à ce point-là. Me faire hurler comme un loup. Le plus stressant, c'est que je me voyais en train de faire. C'est un état dissociatif qu'on va expliquer après avec les neurosciences. Mais je me voyais en train de faire, mais je ne décidais plus des gestes que je faisais. Et j'avais aussi un besoin irrépressible de faire tout ce que j'étais en train de faire. Ça sortait de je ne sais où. Voilà, alors c'était plutôt très inquiétant. Quand je suis sortie de cet état, le chaman me dit que je suis chamane, moi ça m'en fiche. Ce qui m'inquiète surtout, c'est comment j'ai pu vivre ça. Voilà. Et pourquoi ma société à moi, ma culture à moi, soi-disant savante, m'a pas prévenu qu'à 40 ans, je pouvais vivre un truc pareil. Donc c'était très 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 surprenant et très flippant, je dois dire. Vous êtes un peu en colère contre cette société savante, hein, dans votre livre, on voit bien, vous êtes un peu en colère finalement, que ce soit pas pris en considération petit 1, et petit 2 que ce soit à ce point jugé, condamné quasiment.
Exactement, j'étais très en colère et encore plus quand ma société, justement ma culture à moi, m'a envoyée chez le psychiatre pour vérifier que tout allait bien quand même. Voilà, donc là j'étais vraiment, vraiment en colère parce que bon, je savais bien que j'étais pas folle. Dès que le tambour s'arrêtait, je revenais à mon état habituel. Donc j'avais bien compris que c'était le son du tambour qui faisait probablement quelque chose sur mon cerveau qui me faisait changer mon comportement, dû certainement à une modification du fonctionnement du cerveau. Mais je ne le savais pas, je ne suis pas neuroscientifique et je ne le savais pas. Donc mon premier réflexe en rentrant en France, ça a été d'aller voir mon médecin, et le livre commence comme ça. Voilà. C'est de cette conversation qui restera indélébile dans ma mémoire avec mon médecin, en qui j'ai confiance, et qui, pour terminer l'entretien, une fois que j'ai bien raconté tout ça, il me dit « bon, il faut quand même vérifier », et il me tend une carte, et je regarde, c'est la carte du psychiatre, voilà. Et là, j'étais en colère, ouais, j'étais en colère, voilà. Et il m'a fallu, après, 5 ans encore, hein, de recherche pour trouver des scientifiques qui voudraient bien m'entendre, parce que, entre-temps, c'était 5 ans après... La première expérience. Entre-temps, j'étais retournée en Mongolie, j'avais vécu des trans, il m'avait entraînée. J'avais compris à quel point cet état de trans était intéressant, dans la mesure où j'avais plus de force, je ressentais quasiment pas la douleur. Je m'étais à avoir effectivement des informations auxquelles j'avais pas accès dans un état de conscience ordinaire. Plus d'informations, alors que ce que eux appelaient le monde des esprits, hein, ces informations, elles arrivaient de quelque part pour eux. Et je me disais, mais c'est quand même un état super intéressant. Une fois la surprise passée de la première expérience, c'est vraiment un état super intéressant. C'est un état sérieux. Il faut penser que c'est en 2001. À l'époque, la plupart des anthropologues pensent que la transe est une théâtralisation, que les chamans font semblant, que c'est pas un véritable état cognitif, et moi je voyais bien en vivant des transes que c'était pas une théâtralisation, qu'il se passait vraiment une transformation. Voilà, donc le retour en France a été difficile, j'ai été confrontée à beaucoup de scepticisme, donc je raconte dans le livre, hein, ça donne des scènes assez étonnantes. Et il a fallu trouver un chercheur qui voudrait bien m'entendre pour commencer à étudier ça, parce que je me suis dit, la seule façon de faire passer... l'état de transe dans le domaine de la culture occidentale, ce sera de passer par la seule religion de l'Occident. J'ai dit ce mot entre guillemets, mais c'est bien ça. Oui. C'est la science. Voilà. Et non seulement la science, mais la science dure. C'est-à-dire qu'il fallait absolument trouver un chercheur qui voudrait bien faire des mesures objectives. Et mesures objectives, ça veut dire IRM, scanner, et ça veut dire EEG. Surtout à l'époque, c'était EEG. Donc il fallait que je trouve un chercheur qui voudrait bien mettre des électrodes sur ma tête pour voir ce qui se passait pendant la transe. Comme vous le dites, ça donne lieu à des expériences assez épiques. Vous avez un ton en écrivant Corinne Sombrin qui est à la fois très tendre et très émouvant, en même temps très drôle, parce que vous prenez beaucoup de hauteur sur la situation. Hein. Plus on vous prend pour une illuminée, plus vous vous dites « bon, ok, alors comment je vais réussir à faire passer mon truc ?» Parce que là, c'est pas gagné-gagné. En même temps, bah, à des moments, vous êtes assez révolté parce qu'on vous renvoie systématiquement, ou en tout cas très facilement, à la catégorie des dingues. Et finalement, on a l'impression que pour vous en sortir, vous adoptez un principe qui dit toujours « oui ». C'est-à-dire, vous laissez parler, vous ne vous battez plus, vous vous battez autrement, de façon plus constructive, en agissant. Ça, c'est ça votre porte de sortie, votre capacité à survivre dans cet univers-là. Ça a été ça, ça a été dire bon, ok. Oui, ça a été ça, ça a été dire bon, je fais mon chemin, je sais qui je dois convaincre, je vais essayer de les convaincre, on va faire des mesures objectives, et à partir de là, plus rien. Plus personne pourra nous dire, voilà, c'est n'importe quoi. Dans les années, au début des années 2000, c'était considéré plutôt comme une psychopathologie, la transe. Hein, voilà, donc c'était ou des charlatans ou des gens qui simulaient. Et moi, j'avais honte, hein, au départ, d'être assimilé à ça, parce que moi, j'avais bien assimilé ma culture et ce qu'on m'avait appris, et que tout ça était du charlatanisme. Et je l'avais bien acquis. Et je comprenais pas pourquoi tout d'un coup.
j'aurais pu être assimilée à ces charlatans, alors que ma démarche, elle était sincère. Moi, je savais bien ce que je vivais, mais personne ne voulait me croire. Donc, il a fallu que je fasse des démonstrations et des démonstrations et des démonstrations pour me faire entendre et pour montrer que bah, c'était un vrai état, c'était sincère. Et, voilà. Et le premier que j'ai pu rencontrer et qui a bien voulu que je lui fasse une démonstration, ça a été quand même 5 ans après, en 2006, 5 ans après la première expérience en Mongolie. C'était le docteur Étève Non, qui était lui un ancien directeur de recherche de l'INSERM. Il était déjà à la retraite et il a voulu bien m'entendre parce qu'il connaissait très très bien la méditation. Dans les années 70, il avait déjà supposé que la méditation modifiait le comportement du cerveau. Donc pour lui, c'était pas une hérésie que de dire que la transe pouvait modifier le comportement du cerveau. En revanche, il voulait que je fasse une démonstration, évidemment. Hein. Et ça, je l'ai tout à fait accepté et compris. Donc je me suis retrouvée à sonner chez lui avec mon tambour et puis aller faire une démonstration dans son appartement de Montparnasse. Mais dans votre livre, on voit bien qu'on vous le demande souvent. En fait, les gens ne vous écoutent pas. Par contre, ils ont très envie de voir. Ça suscite une curiosité quand même, alors. Oui, oui, ça suscite une curiosité, puisqu'ils ont un sujet qui veut bien faire une démonstration, ils disent, ah bah tiens, on va voir, oui. Et puis, en général, moi, je savais que quand ils voyaient, ils étaient convaincus de la véracité de l'état, voilà, que c'était pas une simulation, qu'il y avait plus aucun doute dans le fait de le voir. Donc, j'ai pas économisé mes démonstrations, parce que pour moi, c'était la seule façon de leur dire, bon, ben voilà, regardez ce qui se passe dans cet état-là. Après, c'est intéressant, parce que justement, vous parlez de méditation, de sommeil paradoxal. Alors, vous, dans votre livre, vous dites finalement, quand on va voir un chaman, c'est parce qu'on a envie de rester en bonne santé, ou de retrouver une bonne santé, de gagner plus d'argent, enfin, en tout cas, d'avoir une vie meilleure. Mais à bien y regarder, pour préparer cette rencontre, bah du coup, je me suis penchée sur un peu d'autres choses, notamment la méditation, dans l'exercice de laquelle on vous dit que finalement, si vous méditez tous les jours, bah, vous serez en meilleure santé et vous avez plus de chances de réussir au sens social du terme, au sens accepté et vu par notre société. Donc, en réalité, bah, ce principe de pouvoir écouter le corps, la nature, l'environnement, est quand même parfaitement proche de la transe chamanique. Donc, en réalité, nous sommes déjà proches de cet état-là. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup, pendant longtemps, des guérisseurs dans les campagnes qui enlèvent le feu, qui ont... Donc, comment se fait-il que cette cérémonie-là reste absolument associée à quelque chose de fumeux ? J'ai eu la chance après de développer des outils pour permettre à chacun d'accéder plus facilement à la transe que le tambour. Et c'est vrai que quand on voit tous les médecins, les psychologues, psychiatres qu'on est en train de former ou des artistes, des beaux-arts qu'on est en train de former quand ils vivent leur première transe, il y en a toujours un qui ouvre les yeux et qui dit ça fait quand même asile psychiatrique. on dirait vraiment un asile. Et c'est vrai dans la mesure où tout d'un coup, mais ils sont cadrés, ils sont rassurés, voilà, il y a des gens pour les accompagner. Et c'est vrai que tout d'un coup, on se met à faire des gestes, des sons. Il y a beaucoup le corps aussi dans la transe qui intervient. Pas dans toutes les transes, mais souvent. Il y a vraiment une mise en mouvement du corps, des cris, des sons, des transformations parfois des animaux ou des personnages. Donc, c'est très surprenant. Et on y travaille aujourd'hui avec les psychiatres qui commencent à repérer dans ce qu'eux ont vécu de la transe, des comportements qu'ils ont jugés comme étant pathologiques chez certains patients. Et qu'il ne serait pas que pathologique, voilà. Donc en réalité, on va travailler là-dessus. Mais ça c'est 20 ans après. Hein. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, on est dans une société de contrôle absolu, et il est là le petit point, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, tant qu'on médite, on contrôle. Mais si on est en transe, on contrôle pas. C'est ça. Ben, on contrôle moins, voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on laisse s'exprimer le corps. Pour vous donner une idée très très simple de la façon dont la transe est une expression naturelle de nos intelligences. Je dis toujours, on a, si on veut faire très grossier, on a deux intelligences, une qui nous rend plus savants et une qui nous rend plus conscients, voilà. Et donc celle qui nous rend plus conscients, on a un peu oublié de la développer en Occident.
Et c'est elle qui s'exprime quand on est en transe. Et là, le corps se met à faire des trucs qu'on n'a pas décidé de faire, mais de la même façon que quand on est dans une situation d'urgence, où tout d'un coup, on va se mettre à faire des gestes qu'on n'a pas décidé de faire. On a plus de force, on ressent moins la douleur. Et on va avoir ce phénomène de dissociation qui fait qu'on se voit en train de faire quelque chose, que la perception du temps est modifiée. Il y a une distorsion de la perception du temps. Combien de fois les gens nous racontent qu'ils ont eu un accident et ils ont l'impression que tout d'un coup, tout s'est ralenti. Et ils ont vu toute la réalité se dérouler sous leurs yeux, mais au ralenti. Voilà. Donc ça, ce sont exactement les caractéristiques qui s'expriment pendant la transe. Donc, on peut dire aujourd'hui que cet état de transe, donc c'est un état de conscience modifié, profond, s'exprime naturellement dans les situations d'urgence, comme une stratégie de survie proposée par le cerveau pour nous permettre d'être plus efficaces dans ces états-là. Parce qu'on sait que l'état de conscience ordinaire, aujourd'hui, il est beaucoup trop lent pour nous permettre de réagir vite à une situation. Voilà. Donc... quand je parle avec mes mains, là, je ne réfléchis pas à ce que font mes mains, c'est déjà un petit état dissociatif, non pathologique, mais qui fait que y a quelque chose que je n'ai pas décidé de faire et qui se met en route naturellement. Quand on conduit et qu'on est en train de réfléchir à un truc, et puis tout d'un coup, la voiture, elle est arrivée à destination. On n'a pas réfléchi à la destination. Et on se dit, ah ben tiens, je suis arrivée. Et c'est comme si la voiture avait conduit toute seule. Donc ça, ça fait aussi partie de ces états dissociatifs légers qui sont les caractéristiques des états de transe. Voilà, c'est quelque chose qui s'exprime de façon tout à fait naturelle, sauf qu'on n'a pas mis le mot transe dessus, mais c'est du même ordre. C'est la même intelligence qui s'exprime. Ça, c'est l'hémisphère droit, en fait. C'est cet hémisphère droit qui serait associé aux émotions aussi, alors, en fait. Alors, on a remarqué, en faisant les EEG sur mon cerveau, en 2007, à Edmonton, au Canada, qu'il y avait, en fait, un transfert de prédominance de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Voilà. Dans notre état de conscience ordinaire, pour faire schématique, bien sûr, c'est surtout l'hémisphère gauche qui est prédominant. Et pendant la transe, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment une prédominance de l'hémisphère droit. Aussi, ça c'est les études qu'on a menées plus tard au CHU de Liège, avec une légère inhibition du cortex préfrontal. Voilà, donc il se passe plein de choses qu'on a commencé à démontrer en 2007, qui montrent que la transe est vraiment le résultat d'une modification du fonctionnement du cerveau, et une modification importante du fonctionnement du cerveau. Donc qui fait que la perception de la réalité... est transformée, elle n'est pas la même que celle qu'on a d'habitude. C'est comme, en fait, le cerveau est un filtre, donc c'est comme si on changeait le filtre tout d'un coup, et l'accès à la réalité, il est modifié, tout simplement. Voilà. Mais à ce sujet, vous citez Chris Fries dans votre livre qui dit « Ce que nous voyons n'est pas le monde, mais un modèle du monde créé par notre cerveau ». On n'est pas du tout en transe encore, mais enfin, finalement, tous autant qu'on est, par exemple, nous sommes en train d'échanger, vous et moi, votre perception n'est pas la même que la mienne. D'entrée de jeu. Exactement. Et ça, c'est assez fascinant à réaliser. En faisant ce travail, j'ai réalisé à quel point on était dépendant de la façon dont notre cerveau va filtrer les informations et nous donner un accès à la réalité qui est vraiment différent en fonction des autres. On le voit dans les états de transe, on le voit dans la façon dont on lit un livre, tout simplement. Personne lit le même livre, en fait. Bien sûr. Quand les gens vous parlent d'un livre, ils ont vu des choses que vous n'y avez pas vues, et c'est rigolo. Et donc la perception de chacun est vraiment propre à la façon dont elle a modelé son cerveau. En faisant ces expériences, donc aujourd'hui il y a une vraie recherche neuroscientifique, médicale et psychiatrique. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Qu'est-ce que vous espérez? Alors, j'espère plein de choses, parce qu'en vivant ces états de transe, on réalise à quel point la transe, bien sûr, mais aussi les états modifiés de conscience, comme la méditation, l'hypnose, vous en avez parlé. Et nous, on peut profiter aussi de l'évolution qu'il y a eu sur les études sur la méditation et l'hypnose. Aujourd'hui, on ne nous prend pas pour une secte si on parle de méditation. Alors, c'était le cas il y a 20 ans avec la transe, mais maintenant, c'est en train de changer. Et on réalise à quel point ces états sont intéressants, dans la mesure où ils vont développer toutes nos fonctions perceptives, intuitives, et comme ils vont développer cette part de l'intelligence qui va nous rendre plus conscients de notre environnement et de nous-mêmes. Alors quand on parle de transe, si on peut résumer les caractéristiques de la transe,
Moi, je dirais que c'est transformation et interaction. Voilà. Transformation de processus internes qui sont plutôt dissonants, de traumas, de choses qu'on aurait traversées, qui n'ont pas été bien réparées. Et bon, il y a bien sûr des processus d'auto-guérison qui semblent amplifiés, mais ça, il faut qu'on le démontre. C'est pour ça qu'on a mis en place ces études cliniques. Et surtout l'interaction aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette intelligence nous connecte à notre environnement de façon bien plus large, et qu'on a un rapport à notre environnement et à nous-mêmes du coup qui est modifié dans le sens où il est agrandi. En fait, la prédominance de l'hémisphère gauche, là aussi, pour faire schématique, la prédominance de l'hémisphère gauche nous donne la notion d'égocentrage, de la personnalité, du jeu. Et on pense souvent que le « je », c'est ce que je pense. Mais « je », c'est aussi ce que je perçois. Et ça, on l'a oublié. Parce qu'on est tellement dans la pensée analytique, on est tellement dans la « je pense », qu'on a oublié que « je », c'est aussi ce que je perçois. Et donc, l'intérêt de ces intelligences, de ces états modifiés de conscience, c'est de nous faire comprendre à quel point on perçoit. Et qu'on perçoit beaucoup plus quand on est dans ces états modifiés de conscience. Alors, si on va un peu plus loin, on dit qu'on peut parler avec les arbres, qu'on peut parler quand on va se promener. Non seulement avoir un rapport différent à notre environnement, beaucoup plus ouvert, moins égocentré, mais il y a ces informations dont parlent les chamans au départ et qui, moi, m'avaient beaucoup étonné, ce monde des esprits. On se rend compte que c'est probablement tout un tas d'informations qui sont là dans l'invisible. Hein. Alors, on ne les voit pas, ce sont des informations, mais elles sont là. Et la transe nous permet de nous connecter à ça. Alors, parce qu'eux ont appelé ça le monde des esprits, mais effectivement, ça nous parle, ça nous dit des trucs qui n'arrivent pas forcément dans les oreilles, hein, mais qui sont sous la forme d'évidence. Où tout d'un coup, on sent une émotion d'un arbre, de quelque chose, si les arbres peuvent avoir des émotions, mais moi j'en suis persuadée maintenant. Et donc, tout ce qui est autour de nous est vivant. Et c'est la magie de ces états-là, c'est de comprendre tout d'un coup à quel point, quand on peut se mettre devant un arbre, un brin d'herbe, un escargot ou une chenille, on peut se mettre en transe devant ces êtres vivants et comprendre à quel point ils peuvent nous apprendre énormément de tout le vivant. Et que la collaboration avec le vivant, elle devient naturelle. Et on comprend à quel point c'est important. Parce que tout nous apprend quelque chose autour de nous. Alors qu'en réalité, nous sommes, voilà. dans une société qui, finalement, torture plus facilement la nature qu'elle ne l'écoute. Et vous racontez aussi que le chaman connaît le cosmos, les étoiles, honore le soleil. Ce qui sont des pratiques qu'on retrouve dans la méditation, dans des cours de yoga, aujourd'hui en Occident. Donc, on est quand même sur cette même fibre. Finalement, le mot qu'on retrouve le plus dans votre livre, c'est le mot respect. C'est ça qui manque à notre société. Voilà. Oui. Tout à fait. Mais c'est pas sa faute. Je veux dire, le jeu pense qu'elle a oublié de je suis conscient, voilà. Et elle a oublié ça. Et donc on est tellement dans la rumination, la tyrannisation, le tyran, le mental comme un tyran, qu'on a oublié à quel point ça fait du bien d'aller embrasser les arbres. Voilà, je parle encore des arbres, mais c'est tout ce qui est autour de nous. Et ce mot respect, on peut plus le comprendre puisqu'on n'est plus en lien. On respecte les choses à partir du moment où on les connaît, où on est en lien avec elles. Et le fait de s'enfermer dans cette intelligence analytique, le « je pense », a fait que ça nous a déconnectés de notre environnement. Et du coup, on le connaît plus. Et comme on le connaît plus, je sais que quand je vais au supermarché et que j'achète un poisson en barquette, c'est pas pareil que si je le vois dans l'eau et que j'établis un lien avec lui. La différence entre le mode de vie des sociétés traditionnelles, c'est que quand ils vont manger un animal, d'abord ils vont respecter cet animal, ils vont pas le tuer, ils vont pas le chasser, ils appellent ça un prélèvement. Et il y a un lien de respect qui s'établit, c'est-à-dire que ils sont obligés de le manger, mais avant ils lui demandent l'autorisation, ils demandent, il y a tout un lien qui se fait et qu'on a perdu. Et comme on a perdu ce lien, on n'a plus de respect pour rien, ni même pour nous d'ailleurs, et c'est dommage. Donc la pratique de ces états modifiés de conscience,
quel qu'il soit, nous reconnecte à ce lien et donc à ce respect et cette notion de l'importance d'une collaboration avec le vivant. Ce lien, il commence, comme vous le dites à l'instant aussi, par notre propre corps. Alors, vous parlez, donc vous avez des gestes réflexes qui sont assez rigolos, pardon, excusez-moi, mais expliquez-moi. Quand ça va pas, que vous comprenez pas, vous touchez votre clavicule, je voudrais savoir pourquoi. Vous parlez de votre omoplate gauche ou droite qui est la terre. Ben non. Dans votre livre. Oui, vous dites à un moment. Alors je voudrais savoir si vous avez une carte du corps. En fait, si vous avez. La clavicule, parce que c'est un truc qui est solide. Ça me donne la notion de solidité. D'accord. Donc, la touche pour bien me montrer qu'il y a. En fait, c'est les os hein, et le squelette. C'est quelque chose qui me paraît solide et ça me fait du bien quand je suis. Au cas où vous. Pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver, vous touchez votre clavicule. Oui, ou même que je suis solide. Voilà, parce que c'est souvent. J'ai été souvent confrontée à des situations tellement cocasses et tellement. Bizarre, surprenante, énervante, que j'avais besoin de savoir que voilà, de toucher quelque chose qui reste juste le squelette, quoi, quelque chose qui est solide et qui tient bien, sur lequel on peut s'appuyer. Mais quelle perception vous avez de votre propre corps aujourd'hui, en fait, voilà, de ce premier élément que finalement nous n'écoutons pas plus que la nature, non? Alors, il y a déjà un réalignement avec nos sensations. Ce corps m'envoie des informations en permanence. Et quand il va pas bien, maintenant, et ben, il m'envoie davantage d'informations. C'est-à-dire qu'une transe peut se déclencher automatiquement. Bien sûr, je peux la maîtriser aujourd'hui et l'arrêter. Mais quand il y a quelque chose qui va pas, je commence à faire des petits gestes. Et mon corps me dit, il faudrait bien que tu fasses une transe là pour réparer, pour enlever le stress, le surstress, et voilà, donc il me le rappelle et il me dit allez on y va. Et une autre chose qui est très 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 intéressante dans la pratique de la transe, c'est ces transformations avec la perception d'être un animal ou un personnage, quelque chose que j'ai pas l'habitude de percevoir de moi. Voilà, ça a été le plus surprenant pour moi au départ, cette impression d'être un loup. Mais il n'y a pas qu'un animal, en fait, il y a toute une palette. Et tous les transeurs qu'on a formés depuis, on a découvert, des vers de terre, des mouches, toutes sortes de d'animaux. Alors au départ, on se dit mais pourquoi certains se transforment un jour en sauterelle, un deuxième jour en araignée? En grenouille, et pourquoi le loup de temps en temps, pourquoi ces transformations? Alors bien sûr, on n'a pas la réponse, mais les suppositions, c'est que, en tout cas, quand on le vit, c'est exactement ce dont on a besoin au moment où on le vit. On a eu des transformations en rocher. La personne avait l'impression d'être un rocher. Et le fait de se sentir vraiment comme un rocher, ça lui a fait un bien fou. Quand il y a une transformation, on a eu des transformations en vers de terre, et la personne prenait un plaisir infini à se rouler dans la terre, à avoir l'odeur dans son nez, l'odeur de la, enfin dans le nez de l'asticot, je sais pas comment il est, hein. Mais en tout cas, elle avait vraiment un plaisir, mais orgasmique, elle nous disait, à sentir la terre et à rentrer dans la terre et à se rouler dans la terre. Et ça, ce sont des sensations qui, semble-t-il, sont celles dont on a besoin au moment où on les vit. Alors, on se dit, les chercheurs m'ont dit, mais on a le génome de tout le vivant en nous. On a tout le génome. Donc, pourquoi on ne pourrait pas imaginer, et dont j'en parle un tout petit peu dans le livre, l'hypothèse que, en fait, on a un grand jeu de cartes, et d'activer la carte dont on a besoin pour nous réparer, pour apporter des sensations dont on a besoin au moment où on les vit. Un petit peu comme dans les arts martiaux, où tout d'un coup, on vous apprend à faire les gestes d'un tigre ou de je ne sais plus quel animal. Mais c'est en faisant le geste qu'on vous apprend la sensation et qu'on vous apprend quelque chose que votre corps ne connaît pas encore, mais qui va vous amener quelque part. Et bien là, ça se fait naturellement. Mais seulement, ce n'est pas toujours le tigre, c'est des animaux, même la mouche. Hein, on a eu une psychiatre qui s'est transformée en mouche. Et c'était tellement rigolo. Et pour eux, l'apprentissage de cette dissociation qui fait que tout d'un coup, on ressent quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de percevoir de soi. Donc ça apprend beaucoup sur le corps, justement, le corps qui n'est pas forcément celui auquel on est habitué et qui peut vraiment se transformer. Et on a vraiment l'impression d'avoir des pattes. Quand elle se transformait en mouche, elle avait un truc qui poussait dans le...
dans l'omoplate, justement. Elle avait ce quelque chose qui poussait avec vraiment une sensation. Et ils sortent de ces expériences de transformation complètement ébahis dans la justesse du ressenti. Et ça aussi, ça crée un lien. Ça crée un lien parce que, par exemple, une fois que la personne a vécu cette transformation, elle a un point de vue qui est complètement différent, qui est le point de vue de l'animal, finalement. Elle a vraiment l'impression d'avoir un point de vue qu'elle ne connaissait pas. Mais dans votre livre, vous parlez d'intuition en disant, finalement, l'intuition, c'est le vocabulaire d'alerte du corps. Et donc, quand vous expliquez ces phénomènes-là, finalement, c'est la possibilité, petit à petit, de mettre en route une vraie conversation, d'écoute avec son corps, avec ses intuitions, tous les jours, même quand on n'est pas en transe. Oui, bien sûr, ça se développe après, hein. Ça se décale à notre état de conscience ordinaire, c'est-à-dire qu'on prend des réflexes qu'on a pendant la transe qui se décalent à la... Par exemple, on peut vivre des transes avec intention, et donc l'intention d'une transe, ça peut être qu'est-ce que veut bien me dire mon corps, qu'est-ce que mon corps a à me dire, voilà. Et là, tout d'un coup, on vit la transe, et y a quelque chose qui commence à chauffer au niveau de la cheville, on sent quelque chose, et puis on se rend compte qu'il y a un vieil accident qu'on a eu là, à cet endroit-là, qu'on avait complètement oublié, et tout d'un coup, il se manifeste, voilà, ou quelque chose d'autre qui va se manifester. Après, il y a des images qui peuvent arriver, des images qui sont des souvenirs qu'on avait complètement zappés, et tout d'un coup, on se dit mais pourquoi cette image revient là en ce moment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Voilà. Après, il faut chercher, hein. Après, il faut travailler, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Après, il y a des vieux traumas. On a travaillé avec un pompier qui réalisait pas à quel point il avait été impacté par les interventions qu'il avait vécues. Il pensait que c'était réglé, et lors des premières transes, il s'est repris des images que la transe lui a permis de revivre. Mais comme l'état de transe nous donne plus de force, qu'elle soit psychique ou physique, et qu'on ressent moins la douleur, qu'elle soit physique ou psychique, il a pu revivre ces scènes avec une certaine distance, phénomène de dissociation, qui lui a permis de les revivre, de les traverser, et dit-il, aujourd'hui, elles sont réglées. Voilà. Donc c'est donc un projet qu'on aurait à développer justement dans le traitement des traumas. Voilà, c'est encore une autre piste. Mais vous, Corinne Sombrin, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui avec les autres, puisque vous avez quand même développé une faculté de lien aux autres, aux éléments, à la nature, aux objets tellement forte que vous racontez aussi quand même qu'à un moment donné... si vous êtes dans une salle et puis quelqu'un arrive, vous pouvez ressentir tout d'un coup une douleur ou quelque chose parce que, sans le savoir, cette personne elle-même a des acouphènes ou un cancer. Donc, comment est-ce que vous arrivez à évoluer dans ce monde qui vous parle en permanence ? Alors, c'est ce qui arrive à tous les transeurs débutants, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a des perceptions, on passe à côté de quelqu'un, on a envie de le gratouiller, on a envie de faire des trucs, on a envie de faire plein de choses. Et bien sûr, on n'a pas le droit parce que la personne, elle n'a rien demandé. Et ce dont je parle dans le livre, c'est oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces sensations, parce que ça peut être très envahissant au départ. Et bien, tout simplement, on s'habitue à les laisser passer, à les avoir, mais à ne pas focaliser dessus. Et en fait, la difficulté au début, c'est que comme on ne les connaît pas, ça nous surprend, donc on focalise dessus, on y fait très attention. Et du coup, ça nous heurte de pas interagir et de pas agir avec ces perceptions. Mais petit à petit, on apprend à les laisser passer quand c'est pas pertinent de s'en occuper. Alors, vous avez fait énormément d'expériences hein, avec donc, des interactions avec de l'eau, des animaux, et puis des genres de personnalités différentes. Alors ça, c'est assez passionnant, puisque vous racontez que finalement, les expériences que vous avez faites avec des étudiants des Beaux-Arts ont été incroyablement probantes, puisque peut-être la création elle-même au départ est une capacité à s'abandonner plus facilement, donc à entrer en transe plus facilement, et donc à créer plus facilement, comme de jouer du piano, enfin de tout ce qui est de l'ordre de la création artistique. Alors, on s'est rendu compte que le fait d'être artiste ne permettait pas d'accéder plus facilement à la transe. En fait, il n'y a pas de profil, puisqu'on a formé, on a commencé. Bon, alors pour reprendre au départ, on a démontré que la transe était un potentiel cognitif avec les recherches qu'on a menées à Edmonton au Canada. Moi, j'avais une immense intuition, vraiment une très très forte intuition, que on devait tous avoir ce potentiel-là en nous. À l'époque,
En Mongolie, c'était 1 sur 100 000 qui accédait à la transe avec le son de ce tambour. Hein. C'était donc 1 sur 100 000 était chaman. Voilà. Et donc, je me suis dit, une fois qu'on a démontré que c'était un potentiel cognitif, la transe, c'était dû à une modification du fonctionnement du cerveau, je me suis dit, mais il n'est pas possible que, puisqu'on a vu que j'avais un cerveau sain, et qu'il était et pas différent des autres. Donc les chamans n'avaient pas un cerveau différent des autres. Ça a été une de mes suppositions. On voit aussi une de mes questionnements dans le livre. Et bien donc la réponse était que si les chamans n'avaient pas un cerveau différent des autres, c'est que le son du tambour était peut-être pas assez efficace pour développer ce potentiel et permettre à chacun d'accéder à la transe. Donc l'idée, ça a été de trouver des outils qui seraient plus efficaces que le son du tambour pour voir si ça marchait sur plus de gens que 1 sur 100 000. Voilà, dans quel délire je suis partie encore. Et donc là, ça a été vraiment pendant des années la recherche de chercheurs qui me permettraient de travailler sur un outil qui serait plus efficace. Bon, cet outil, pour faire court, on l'a mis en place fin 2015, hein, donc il a fallu 14 ans pour développer cet outil, et on l'a testé pour la première fois avec des artistes, donc à l'École des Beaux-Arts de Nantes. Et on a testé, c'était sous la forme de boucles de son, on voulait pas de stimulation visuelle à cause des risques de crise d'épilepsie, déclenchement de crise d'épilepsie, et donc on s'est attaché au son. Donc en Mongolie, il y a 0,001% des gens, donc 1 sur 100 000 qui accèdent à la transe avec ce tambour. Et là, lors de cette expérience aux Beaux-Arts, il y a eu 80% des étudiants, donc 16 sur 20, qui sont partis en transe. Mais en transe, un vrai transe comme moi, quoi. La même chose avec des transformations en animaux, bah tous, avec des gestes non décidés. Et voilà. Et donc à partir de là, je savais que j'avais eu raison, que l'intuition était juste et qu'on avait tous cette capacité. Alors là, les chercheurs, puisqu'on parlait de profil, les chercheurs m'ont dit, mais oui, mais les scientifiques m'ont dit, oui, mais enfin, c'est des artistes, de toute façon, ils sont tout le temps en transe, hein, quand l'acte de création, c'est un moment de transe, donc c'est trop facile quand même, voilà. Donc là, l'idée, ça a été, ben, maintenant, on va essayer avec vous, puisque vous êtes sceptiques et vous continuez à l'être, et je le comprends, je suis tout à fait d'accord, on va tester ces boucles de son avec vous, voilà. Et le résultat était le même, 80% sont partis en transe. Depuis, on a fait évoluer ces outils, on a pu le tester sur différents profils qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, plus de 90% des gens qui écoutent ces outils accèdent à la transe. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, c'est pour ça qu'on a réalisé que ça ne dépendait pas du profil, qu'il soit artiste par artiste. Les chercheurs sont des artistes, hein, de toute façon. Bien sûr. Ils sont des poètes aussi, hein. Mais quels que soient les profils, même des chefs d'entreprise, on a essayé tous les profils un petit peu pour voir, et c'est toujours le même résultat. Et on pense que plutôt que le profil, il s'agit plus de gens qui auraient dans leur lignée des antécédents psychiatriques qui font qu'il y a une espèce de peur inconsciente de la transe qui est associée à la folie. Voilà. Donc les seuls point commun qu'on aurait pu trouver dans les 5% qui n'accèdent pas à la transe, pour l'instant, c'est celui-là, sans pouvoir rien affirmer, hein, bien sûr. Mais c'est celui-là. Donc, ce n'est pas une histoire de profil, c'est une histoire de plutôt d'antécédents et de peur de la folie. Parce que... voilà. Après, pour la créativité, ben, elle est la même pour tous, autant pour les artistes que pour les chercheurs, que pour les médecins ou les psychiatres, c'est-à-dire que le fait de ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire dans ce shift vers l'hémisphère droit et de cette légère inhibition du cortex préfrontal, qui est essentiellement, là aussi c'est schématique, mais responsable de l'autocensure et de l'autojugement, à partir du moment où ça est un petit peu inhibé, bien sûr, on arrive à faire des choses qu'on n'osait pas faire avant. Pour les artistes, qui est formidable dans la transe, c'est que ça va enrichir leur palette de créativité, dans la mesure où ils vont avoir accès à des expériences qu'ils n'ont pas vues jusque-là, qu'ils n'ont pas vécues jusque-là, qui sont inédites, avec des transformations dans le corps, avec un accès à une réalité différente, qui va enrichir leur palette de couleurs, on va dire. Voilà. Donc je leur dis toujours, c'est pas parce qu'on vous apprend la transe que vous allez être géniaux. En revanche, parce qu'il va falloir bosser après, il faut transformer l'expérience. En revanche, ça va vraiment enrichir votre
votre regard sur le monde et sur la réalité dans, dans le vécu des expériences. De même que vous l'expliquez très bien dans votre livre, quand un chaman justement se retrouve dans une session de transchamanique et puis en ressort en vous indiquant quelque chose, en vous apprenant quelque chose, c'est exactement la même chose. Il vous met sur la voie d'une trajectoire sur laquelle vous pouvez intervenir. Encore faut-il en comprendre le sens symbolique puisque son langage n'est pas forcément lisible immédiatement en Occident par exemple. Et exactement, on m'a rapporté des gens qui étaient allés voir, parce que maintenant en Mongolie, il y a des gens qui vous emmènent voir plusieurs chamans. Alors les gens vont voir ces chamans, et puis chaque chaman dit des choses un peu différentes, bien sûr. Et la façon dont il le dit, par exemple, je donne un exemple dans le livre, où tout d'un coup il vous dit « tu vas mourir dans 6 mois ». Alors à vous. C'est pas des choses qu'on dit en Occident. D'abord, la mort est tabou, mais c'est pas des choses qu'on dit. Et ce qu'on sait pas, et donc ça, les gens reviennent de là, ils ont la trouille, ils se disent mais qu'est-ce que je vais mourir, je veux pas mourir, nanana. Donc on leur explique pas que en fait le chaman vous dit pas tu vas mourir, il vous prévient que si vous continuez comme ça dans votre vie, ce qu'il a vu lui comme projection de votre parcours, c'est qu'il y avait un grave danger. Voilà. Mais il vous dit pas que ça va arriver, il vous dit que ça peut arriver. Il vous prévient. Voilà. Et donc, il y a une notion de déterminisme, bien sûr, dans la mesure où vous avez entamé un chemin, une voie qui vous emmène quelque part, mais vous avez la possibilité de le changer. Et donc, en Mongolie, quand on vous dit ça, on dit « Oh là, j'ai de la chance parce que le chaman m'a prévenu ». Et puis nous, on flippe, bien sûr, parce qu'on n'a pas les codes. On ne sait pas, on se dit il a, c'est ça qui va m'arriver. Non, 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 je te préviens juste que ça peut t'arriver si tu ne changes rien dans ta vie, là, aujourd'hui. À propos de ces tours opérateurs de chaman, c'est la même chose, vous donnez un élément assez passionnant, vous expliquez que finalement, peut-être qu'il y a un effet placebo dans le cérémonial, et pourquoi pas, et prenons-le en considération, mais vous expliquez que les patients qui vont être sensibles à cet effet placebo sont ceux qui ont un système dopaminergique plus développé que les autres. Oui, ça c'est ce que dit le professeur Florent Rie quand je suis au Canada là-bas et qu'on parle de l'effet placebo et nocebo à l'inverse. Hein, par exemple, quand on lit la liste des effets secondaires des médicaments, on peut développer un effet secondaire parce qu'on l'a lu. Hein, voilà, bien sûr. Ça, l'effet nocebo. Voilà. Et dans la mesure où c'est ma culture. Quand un médecin me dit quelque chose, j'ai tendance à le croire. Et plus j'ai confiance dans le médecin, plus je risque de... Enfin, le risque de guérir, c'est pas un risque, la chance de guérir, la chance de guérir est là. D'accord ? Donc cet effet de confiance va accentuer les chances de guérison. Et ben, en Mongolie, quand ils font un rituel, c'est la même chose, c'est leur culture. Si le chaman vous dit quelque chose qui va être appuyé par le rituel, qui est une théâtralisation des choses, qui fait que, par exemple, vous allez faire des offrandes, vous allez demander pardon aux esprits, parce qu'en général, là-bas, quand on va voir le chaman, c'est qu'on a eu une succession de problèmes et qu'on ne connaît pas l'origine du problème. Et le chaman, le rôle du chaman, c'est pas de guérir dans ce sens-là. En Mongolie, c'est pas tellement des guérisseurs, c'est surtout une réparation d'une dissonance qui aurait été créée par un manque de respect, justement. Et donc, qui aurait énervé les esprits qui sont là pour garantir le maintien de l'harmonie dans ce monde. Et donc, quand on va voir un chaman, on veut obtenir des réponses. Donc, le chaman, on est en transe pour aller poser des questions à ce monde des esprits et revenir avec une réponse. Et donc, quand on va voir le chaman, le chaman va poser des questions aux esprits, il va vous demander de faire des offrandes pour justement demander pardon aux esprits d'avoir manqué de respect. Et donc tous ces rituels vont faire que petit à petit, victime d'un problème, vous allez devenir acteur de votre guérison, parce que les gestes, ils sont faits. Parce que le chaman va faire un rituel qui va représenter votre problème. Il va détruire physiquement votre problème. Les esprits sont censés venir sur l'autel où il y a les offrandes pour transformer ce problème. Donc quand on croit à cette culture, quand c'est sa culture, forcément ça va accentuer les chances de guérison, de transformation d'un comportement qui va passer de victime à acteur. Voilà. Et pour ça, c'est bien vu, c'est bien fait. Vous écrivez dans votre livre que finalement, vous êtes heureuse aujourd'hui de devenir qui vous êtes.
C'est-à-dire ? Mais c'est ça, c'est ça. Et ben c'est ça le grand challenge d'une vie, finalement. C'est ça, c'est de devenir ce que je suis et pas ce que je veux qu'on soit. Voilà. Et c'est souvent ce que je répète aux petits, aux jeunes, aux jeunes des écoles des beaux-arts ou des écoles des artistes, parce qu'ils sont à un âge où ils confondent encore ce qu'ils admirent et ce qu'ils sont. Et donc, tout leur travail, ça va de retrouver ce qu'ils sont au travers de ce qu'ils admirent et de ne pas confondre les deux. Et c'est vrai pour chacun de nous. On est construit sur le modèle. On sait aujourd'hui qu'on a des référents et qu'on va construire l'éducation et nos connaissances là-dessus, sur ces référents. Et il arrive un moment où il faut comprendre que ce qu'on est, c'est pas le référent. Et ce qu'on est, on doit le devenir. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement, vous, Corinne Sombrin ? Aujourd'hui, maintenant que vous êtes habituée à être en transe, qu'est-ce que vous aimez dans cet état ? Mais c'est ce rapport, c'est ce lien avec l'environnement qui est complètement changé. C'est la notion de jugement qui n'existe plus. Et quand je vois les gens, les professionnels de santé qu'on forme aujourd'hui, quand il y en a plusieurs en transe, je vois à quel point chacun est à sa place. Chacun fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas peur de l'autre. Il n'a pas l'impression qu'il va être envahi par l'autre. Chacun est à sa place, individuelle, mais en lien avec l'ensemble. Et ça, c'est un état dont on devrait s'inspirer dans nos vies de tous les jours. Pour aujourd'hui, on est tous égocentrés, on voit plus l'autre. Et c'est vraiment un état qui redonne confiance dans l'humanité, parce qu'elle est là, la véritable humanité. Elle est dans cette notion de « je suis un individu, mais je suis en lien avec les autres ». Et c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement pendant les trans, où le son de chacun participe à un équilibre global, mais que chacun fait un son qui lui est propre, mais qui participe à l'équilibre global. Quand même, vous avez un rapport au son depuis toute votre vie, Karen Sombrin, qui est assez singulier, puisque depuis que vous êtes petite, il est quand même beaucoup question d'entendre. Ah oui, le son, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien non plus que j'ai fait ce parcours et qu'on a imaginé ces sons. C'est vraiment un fil rouge, hein, tout à fait, dans ma vie. Et je travaille en écoutant de la musique, j'aime les sons. Et je suis aussi particulièrement irritée par des sons qui sont dissonants. Dans votre livre, vous racontez une anecdote, vous dites à un moment donné que le bruit de votre petite cuillère en métal sur la céramique de la tasse vous fait du bien. Donc finalement, c'est une façon d'être présent, quoi qu'il arrive, particulièrement, indiscutablement présent dans le présent, sauf que ça ne l'est plus naturellement que si on s'en conditionne pour. Le son, la petite cuillère dans la tasse, c'est un petit peu comme la clavicule, vous voyez. C'est quelque chose qui rattache à un centrage, à un alignement, qui fait que tout d'un coup, nos sens, quels qu'ils soient, que ce soit le toucher, que ce soit même l'odorat, mais chez moi, c'est moins développé. Sauf quand je suis en transe, où je me mets à... comme un loup, et je cherche, j'ai l'impression de chercher pas des odeurs, mais des dissonances ou l'information derrière l'odeur. Enfin bref, donc en transe, là, la truffe, ça marche bien. Mais dans mon état de conscience ordinaire, c'est vraiment le toucher et c'est vraiment le son. Et j'ai oublié la question. Voilà. Je vous parlais de votre petite cuillère, qui, en fait, où on voit bien que vous êtes très présente à tout ce que vous vivez. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vrai que l'accès au présent se fait par les sens. Il se fait pas par je pense, il se fait par le ressenti, par les perceptions, et ce retour au présent, cet accès au présent qui nous aide à éliminer la rumination du mental, nous permet de nous reconnecter à quelque chose qui est plus clair, plus juste peut-être. Et souvent dans ma vie, j'ai besoin de ça au travers des différentes épreuves, et je trouve que c'est très efficace pour nous aider dans ce processus de réalignement, d'éclaircissement de choses qui sont plutôt confuses si on les traite que par la pensée analytique. Quel rapport vous avez avec cet hémisphère gauche qui dit je pense aujourd'hui ?
Comment vous l'écoutez? Comment... Je l'aime beaucoup. Et voilà. Mais au début, c'est vrai parce qu'avec tous les transeurs, on leur répète que je pense c'est un tyran au départ. Et petit à petit, au fur et à mesure où l'autre intelligence, celle qui dit je perçois, celle qui nous rend plus conscients, elle émerge et ils acceptent de la laisser émerger, eh bien ce je pense revient à sa place juste. C'est plus un tyran. Donc cette pensée analytique, ce mental, on va simplifier, ce mental, il est plus un tyran, il est à sa place juste. Et donc quand l'autre intelligence s'exprime, eh ben, il va aider à la comprendre, il va l'aider à faire une analyse de ce qui s'est passé, et du coup ça devient un allié formidable, un allié formidable. Et donc aujourd'hui, le je pense, je l'aime beaucoup, parce que il est compensé et il est équilibré avec le je perçois. Quel rapport vous entretenez avec les psychiatres ou les psychologues aujourd'hui sur cette question justement ? Alors aujourd'hui, on s'adore. Hein. Aujourd'hui, depuis qu'il se transforme en mouche et en asticot, vraiment, ça va mieux. Vraiment, c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa et surtout, ils sont super, super humbles une fois qu'ils ont vécu tout ça parce qu'ils se disent, et puis ils l'ont toujours été, simplement, ils ont des certitudes, c'est la façon dont on leur apprend, ils ont leurs référents et ils ont suivi leurs référents. Bon, c'est normal. Et moi, j'ai fait la même chose. Mais en revanche, le fait de vivre ces expériences leur font comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses qui n'ont pas bien comprise et que dans le diagnostic aujourd'hui, donc on commence à mener des tests pilotes avec certains psychiatres, ils comprennent que la pratique de la transe va enrichir leur palette d'interprétation des symptômes. Voilà. Et donc quand ils voient un patient, ils ont repéré pour certains, ils repèrent c'est plus des symptômes, c'est des comportements qui ressemblent à des transes, qui sont mélangés à des symptômes. Et donc leur travail, ça va être de pouvoir, avec la pratique de la transe, de pouvoir accompagner ces patients et de discerner peut-être un petit peu mieux quand est-ce qu'un patient utilise une transe spontanée, par exemple, donc qui est un processus de réparation, qui est une stratégie de survie, et quand un patient vit une crise, c'est-à-dire qu'il reste bloqué dans la crise et est dissocié, et c'est une dissociation pathologique. Voilà. Donc ça c'est super intéressant. Et puis la dernière nouvelle, c'est la mise en place de deux diplômes universitaires à Paris 8 qui vont être ouverts par Antoine Bioy et Marie-Carmen Castillo. Donc il va y avoir un premier diplôme qui va être études des trans et le deuxième qui va être pratique des trans. Et donc tous les thérapeutes qu'on est en train de former vont avoir un cursus de 4 années, donc c'est 2 années d'université. Pour pouvoir utiliser la transe dans un cadre thérapeutique. Voilà, parce que nous, évidemment, on ne peut pas le faire, hein, si on n'est pas thérapeute, quoi. Alors, vous avez, vous signez vos livres, Corinne Sombrin. Sombrin, c'est le nom de votre arrière-grand-mère ? Oui, c'est ça, c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Oui, qui était... il y a un petit village qui s'appelle Sombrin, dans le sud-ouest, et toute une partie de la famille est dans les Landes. Et l'autre est de l'Italie. Et pourquoi vous avez choisi ce nom ? Parce que j'aimais beaucoup cette arrière-grand-mère, comme on avait parlé, et je ne savais pas quand j'ai choisi ce nom qu'en fait ma mère m'a dit après qu'elle était considérée comme guérisseuse dans son village. Voilà. Est-ce que voyez. Si c'est le cas, est-ce que quand on est en transe, est-ce qu'il est possible de communiquer avec les morts d'une part, et d'autre part, est-ce que votre grand-mère est venue vous rendre visite pour échanger avec vous sur ce que vous faites aujourd'hui, si elle était guérisseuse? Non, pas ma grand-mère. Non, j'ai jamais eu de contact avec elle. Voilà, non. Et en revanche, avec d'autres personnes décédées, oui. Tous les transeurs, alors on ne sait pas avec quoi on est en relation, mais tous les transeurs qu'on a formés depuis, c'est un fait. On a tous un accès à la réalité qui est modifiée et un accès à des gens qui sont morts, même à des vivants, hein. mais à des gens qui sont morts. On a fait une expérience à Verdun avec une artiste, avec Léa Lebriconte, que je raconte dans le livre, oui. Aussi. Et ce qui se passe pendant cette expérience, c'est vraiment la découverte de présence d'un jeune homme qui est en train de mourir, un autre, un homme, un militaire, dans un abri de la guerre
à Verdun, et je ne comprends pas ce que c'est. En revanche, il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment une interaction, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec des informations. Alors, il est difficile de les vérifier aujourd'hui, sinon le prénom de ce jeune homme qui arrive, après on voit les casques que j'ai vus, que je suis capable de décrire sur Internet. Donc, bon, on a quelques petits moyens de vérification, mais... Finalement, peu importe, on se dit peu importe, dans la mesure où on le vit et qu'on n'aura probablement pas la possibilité d'expliquer. Alors, ça se passe avec tout, la plupart des transeurs. Ces paragraphes-là, hein, sur justement ces rencontres possibles, éphémères, avec des gens qui sont disparus, donnent quand même une couleur très tendre et très douce à la mort, en tout cas dans votre façon de l'écrire. Moi, ça a beaucoup changé mon rapport à la mort, dans le sens où on la vit plus comme une transformation. Mon père est décédé au mois d'août, cette année, et enfin l'année dernière. Et j'avoue que j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner. Il est mort chez lui. Il n'a pas été hospitalisé, ce qui fait que j'aurais pas pu aller le voir à cause des contraintes sanitaires. Et j'ai pu discuter avec lui jusqu'à la fin. Il est mort, il avait le sourire. Et j'ai continué après. Et je lui avais dit avant, mais tu sais, peut-être qu'on sera toujours en lien après. Tu t'inquiètes pas, j'irai te retrouver. Si c'est pas moins triste, c'est moins brutal. C'est moins brutal parce qu'on continue à discuter avec eux. Il me dit des trucs. Il m'a annoncé que j'allais avoir une super nouvelle, mauvaise nouvelle. Il était mort déjà, hein, et Francis Tolel, dont je parle beaucoup dans le livre, oui. il y a un mois, même pas. Et donc c'est mon père qui me l'a annoncé. Donc il y a des voilà. Alors après on ne sait pas comment ça marche, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est notre cerveau qui trouve des stratégies aussi pour se faire du bien, pour se réparer, c'est possible aussi. Mais en tout cas ça marche. Hein. En tout cas c'est vraiment efficace et c'est des beaux moments qui on a vraiment un problème avec la mort en Occident, hein, parce que c'est encore un des trucs qu'on peut pas contrôler, et je l'explique dans le livre. Oui. On a tellement cette notion du contrôle avec le développement de notre intelligence analytique, c'est qu'il y a encore deux choses qui sont insupportables et qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est le contrôle sur la jeunesse éternelle, en fait, si on voudrait rester jeune. Donc la vieillesse on contrôle pas, et la mort on contrôle pas, et ça c'est insupportable. Voilà. Et c'est insupportable pourquoi ? Parce que justement on a perdu cette intelligence qui nous rend plus conscients, qui nous rend plus heureux, plus joyeux, et qui fait que, bah, oui, on meurt, oui, et alors, et on vieillit, oui, et alors, est-ce que c'est si grave, hein, voilà. Et c'est vrai que la notion de priorité, elle est vraiment transformée par ces moments de transe. Corinne Sombras, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez maintenant comme nouvelle étape dans tout ce chemin que vous avez parcouru, qui est assez noble et courageux, hein, cette grande bataille qui vous aura pris près de 18 ans, c'est ça, pour réussir à ce qu'on... Et oui. Ça fait 20 ans, hein, que ça a commencé tout ça. Ouais. Donc c'était en 2001, on est en 2021, ça fait juste 20 ans. Et le parcours en neurosciences, oui, ça fait 15 ans, quoi. Bon, bravo. Quelle prochaine étape? Bravo, je sais pas, mais c'est comme c'est que j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le choix. Il fallait avancer. Il fallait quand même être courageux et persistant, non? Ben oui, mais vous savez, c'est un petit peu comme dans les stratégies de survie, on réfléchit pas, on fait. Alors ça dure longtemps, bien sûr, mais c'est un peu du même ordre. Moi, j'ai eu l'impression que j'avais pas le choix. Et la transe me rappelant systématiquement que ben, c'est ça et c'est pas autre chose. Voilà, et c'est ça. Dans votre livre, c'est un peu pénible, hein. C'est un peu pénible. Le vécu des trans, on le dit aux transeurs d'ailleurs, hein. Ça va pas être marrant, votre histoire, parce que ça va vous obliger à devenir ce que vous êtes et à faire ce que vous avez à faire. Et ça, c'est pas toujours facile. Et vous écrivez, les scientifiques, les chamans et les espions ne s'étonnent jamais de rien. Donc il faut quand même un profil d'une grande adaptabilité, non ? oui, c'est ça. Oui. Mais ça nous pousse à nous adapter, hein, parce qu'on n'a pas le choix, et puis qu'on est confronté à des choses tellement surprenantes que, bah, oui, bon, on dit OK. Et surtout, ça file des claques à nos certitudes. Et ça, c'est vraiment chouette, hein, parce qu'on en a beaucoup, des certitudes. Et là, tout tombe par terre.
Et j'ai dû... en fait, j'ai beaucoup douté, hein, moi, pendant tout le livre. Vraiment, le doute est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrivais pas à croire. Non, on parle plus de croyance, mais il me fallait des preuves tout le temps. Il me fallait des preuves que, oui, la transe m'amenait à des informations, que, oui, la transe pouvait avoir des effets d'auto-guérison, que oui, gna 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 gna. Et donc, tout le temps, ça a été ça. Et ça a mis des claques tout le temps, mais des claques à mes certitudes tout le temps. Et c'est de claque après claque que j'ai avancé, pour pas dire coup de pied au derrière. Mais c'est ça, mais en même temps, j'avais pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vous repose donc cette fameuse dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez imaginer comme prochaine étape dans ce parcours que vous avez entrepris ? Eh bien, c'est la suite, qu'on comprenne à quel point que les recherches puissent avancer. Là, on mène une première étude clinique, alors en oncologie, avec des patients qui souffrent de cancer. On va leur apprendre la transée, hein, à vivre des trans, pour voir si ça améliore leur qualité de vie. Donc, on ne dit pas encore que la transe peut guérir le cancer, comme on ne peut pas dire que la chimio peut guérir le cancer. Je veux dire, ce serait aussi stupide de pouvoir dire que ça guérit définitivement. Donc là, pour l'instant, on va voir si simplement ça améliore déjà leur qualité de vie, sur la détresse émotionnelle, sur le sommeil, sur la douleur, si ça améliore ça. Donc on commence là au mois de juin à former un groupe de plusieurs patients. Après, on a commencé un protocole sur la douleur chronique aussi, pour voir si ça améliore la douleur chronique. Donc ça me réjouit, ça m'emballe. Et puis de voir des gens qu'on est en train de former. Alors, malheureusement, on peut pas en former beaucoup parce que il y a pas beaucoup de formateurs, et qu'on donne la priorité aux professionnels de santé pour qu'ils puissent nous faire avancer dans les études cliniques et qu'ils puissent nous voir quelles seraient les applications thérapeutique de tout ça. Nous, on a des pistes, mais il faut le démontrer. Donc, c'est de voir tout ça qui est réjouissant, et aussi comment ça transforme notre rapport au vivant. Pour moi, c'est une autre forme de l'écologie. Vraiment, l'écologie la plus efficace, c'est celle qui fait qu'on s'est transformé nous-mêmes, pour comprendre à quel point on est en lien avec chacun, avec les autres, avec la nature, et à quel point, je le répète, la collaboration avec le vivant va être indispensable, parce que n'importe quelle petite chose nous apprend beaucoup. Et si on ne profite pas de cet enseignement, si on ne profite pas de tout ce que peut nous apprendre un arbre, un escargot ou une grenouille, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que l'humain augmenté, il faut qu'il commence par là, par s'augmenter lui-même. C'est joli, hein, l'hypertechnologie, c'est vachement bien. Mais le grand danger, c'est que si on n'augmente pas notre capacité de cette intelligence qui nous rend plus conscients, on sera jamais préparé aux conséquences de ce qu'on est en train de faire. Donc la technologie, c'est bien, mais si elle n'est pas compensée par une augmentation aussi de notre conscience, et de notre conscience des conséquences de ce qu'on fait, grâce à l'intelligence de ce que je perçois, on va aller dans un monde encore plus absurde que ce qu'il est actuellement. Où on fait des choses, mais on ne mesure pas du tout les conséquences de ce qu'on fait. Et cette intelligence, le « je perçois », nous permet... c'est une boussole, en quelque sorte. Hein, c'est une boussole qui nous permet de mieux percevoir, je le répète, hein, les conséquences de ce qu'on fait, et de ce que fait « je pense ». Corinne Sombrin, merci pour cet apprentissage enthousiaste aujourd'hui. Et puis, merci à vous. On va suivre vos travaux sérieusement, avec une grande curiosité. Merci pour cet échange, Corinne Sombrin. Et on vous souhaite de continuer encore courageusement ce parcours neuroscientifique si passionnant. Merci. Merci. Et c'est une joie, vraiment, maintenant. Ouais.